Ma soeur, quand un homme t'envoie l'agent de transport pour voyager, faux voyageur, tu ne peux pas faire qu'un homme t'invite dans sa ville. Tu lui dis que non, je n'ai pas l'agent de transport. Si tu m'envoies l'agent de transport, je viens le week-end. Il prend l'agent et t'envoie 10 000, 20 000, 30 000, jusqu'à 50 000 même. Soit pour prendre le bus VIP, soit pour prendre même le vol, peut-être pour Yaoundé Douala. C'est la mentalité de beaucoup de jeunes filles africaines. Dès que tu lui envoies l'agent de transport, elle éteint le téléphone. Tu appelles encore, le numéro ne passe pas. Elle rouvre 48 heures plus tard ou 24 heures plus tard pour te dire que non, j'ai eu un souci, je n'ai pas pu voyager. C'est la pure escroquerie. À ma jeune soeur, quand vous voyez que vous ratez parfois le mariage, à ma jeune soeur, quand vous voyez que vous ratez souvent les bonnes choses, il y a un ami qui est venu me voir pour me dire que Suze, j'ai invité la fille. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas le passeport. Quand on parlait, elle me disait qu'elle n'avait pas le passeport. Je voulais qu'elle vienne sur Yaoundé, j'allais faire son passeport et qu'on allait voyager parce que j'estimais vraiment la fille. Je voulais qu'on voyage pour l'étranger. Maintenant, tu as bouffé 20 000, pourtant tu pouvais gagner gros. Pourtant tu pouvais gagner peut-être le mariage. Et pourtant tu pouvais gagner même une bonne relation. Ma soeur, à mon soeur, si tu n'as pas envie de voyager, dis à l'homme de ne pas t'envoyer l'argent. Hein. Dis-lui même qu'envoie-moi l'argent pour autre chose. Ne dis pas qu'envoie-moi l'argent, je voyage. Après, tu éteins ton téléphone. C'est petit comme ça. C'était ridiculisé, tu comprends le français. C'est comme ça, donc on vous voit ici dehors. Tu vois une mince fille avec un gros ventre comme ça. C'est le ventre de l'escroquerie. Hein? Tu vois une jeune fille avec les petits pieds comme ça. Elle est normale en haut, les pieds ne font que maigrir. C'est les pieds de l'escroquerie. Hein? Tu vois une jeune fille, le corps est normal, la grosse tête comme ça, là, comme Kimbo. C'est la grosse tête de l'escroquerie. Hein? Toi-même, tu es à la source de tes problèmes, tu comprends un peu. Voilà, change un peu. Donc quand quelqu'un t'envoie son argent, la sueur de son front, tu dis que tu vas voyager, voyage. Hein? Si tu ne veux pas voyager, ce n'est pas une obligation. Dis-lui que je n'ai pas envie de voyager, mon frère. Il ne va pas t'attacher. Hein? Parce que l'escroquerie n'est pas bien. C'est comme ça que vous êtes. D'autres arrivent même ici en Europe. Elles veulent faire la même chose.